Hello, on est avec qui ici ce soir? Bilal. Attends, Bilal? Bilal. Bilal. Mais ouais. Tu viens d'où? Bruxelles, comme si là. Ah, d'accord. C'est du rap belge alors? C'est du rap bien belge, blanc-bleu belge. C'est du rap du monde, mais venant de Belgique. Et tu es invité sur scène alors? Voilà, je suis invité avec, avec Scylla, comme d'habitude d'ailleurs. Donc voilà, on attend notre passage avec impatience. C'est la première fois pour toi les Franco? Les Francofolies, ouais, c'est la première fois et que j'y viens et que j'y participe. Comment tu trouves ça? Bah franchement, c'est impressionnant vu la taille, l'organisation et tout ça. Et puis ça a l'air vraiment cool niveau ambiance. Les gens ont l'air vraiment de bonne humeur, disons. Et si tu as un petit message à au peuple? Un message au peuple, c'est aimez-vous les uns les autres, aimons-nous. Surtout à l'heure actuelle, c'est vraiment un truc sur lequel il faut mettre un point, c'est aimons-nous, comprenons-nous et aimons-nous. Et si tu peux faire un petit big up à Reporter TV? Un gros big up à Reporter TV, Bilal, Bruxelles, big up, merci beaucoup à vous. Ok, alors, pour commencer, on va la faire calme, hey, on va repartir sur des folles passes. Yeah. Et c'est pas étrangeur, yeah. Ok, bon, on va remettre les compteurs à 0-1. J'aimerais pas la haine, à la tienne, pas ça plus aucun. Quand tu me tiennes, aussi la face, les mots. C'est pas des mots pas, c'est ton classe, les mots crache, les mots pas, tu es au crâne. Bienvenue dans la petite putain. Tu dis ça, c'est dans les sapiches. On prendra le théorème du fruit de lumière. Viens, on prend un peu de cul, car c'est que l'un part en chambre. Les pros, les dieux de cul, car ça brûle, hein. Viens, on va méditer sur les profondeurs de l'être, marre de vivre la chérie. Parce que quand il repense que ça passe à fond, pas être capable de se dire que ce que l'on sait n'est peut-être pas vérité. Un point, on n'a rien besoin, juste de taper un procureur à qui vient de loin. Cherche à faire l'expérience vers la petite mort. Cherche à prendre à ce qu'on sent et qui ne parvient pas devant une pépite d'or. Un cœur de bandit qui ne peut péter pas face au plus diable et qui tombe à sa lâcheté. Qui en fait en bas et je me sens vide. Qui s'attend et chaque fois qu'on lui passe envie de s'acheter.